Bonjour à tous et bienvenue, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Comme toujours, le stade, vous le voyez, est quasiment plein. Même si le ciel est menaçant, l'ambiance est au beau fixe dans les tribunes. Les joueurs se sont parfaitement préparés pour cette rencontre. Et vous aussi, j'espère, on va vivre un beau moment de football. On a senti une vraie attente autour de ce match, et notamment chez les supporters. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. On écoute maintenant l'hymne national de l'Algérie. On devrait donc avoir deux lignes de 4 et deux attaquants. Oh oui, il y en a qui vont dire que c'est old school, mais moi j'aime ça. Bon, il faut reconnaître que c'est plutôt rare d'aligner seulement deux attaquants. Ça nécessite qu'ils s'entendent parfaitement pour pouvoir combiner et adapter le déplacement. Mais l'avantage, c'est que vous avez facilement plus de monde dans la surface. Et on rentre dans le vif du sujet. En retrait pour repartir proprement. Abeid. La passe est précise. C'est joué long, attention. Ah, pas de réussite, ils ne se sont pas compris. Dabo. C'est joué long. Pour que ça va partir vite. Il décide d'allonger le jeu. Dans la profondeur, bien vu. Ça joue long. Il s'est récupéré facilement. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il tente de la jouer dans l'espace. Bien, bonne intervention. Ben Taleb, mis trois pas, qui est récompensé de son pressing. Il cherche la profondeur. L'Algérie qui cherche l'étincelle. Mandy qui joue long. Quel jaillissement! Voilà une bonne occasion de contre. Pour Traoré. La passe dans la profondeur. L'Algérie qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de couloir, mais en plus ça oblige leur adversaire direct à redescendre d'un cran. Plutôt malin. Mahrez! Il allonge le jeu. Il a du champ sur le côté. De la tête! Complètement réussi son geste. Ah, il a bien prise, mais peut-être qu'il a trop forcé sa tête. Aucune équipe n'a encore fait la différence dans cette rencontre. C'est joué. Attention, la frappe! Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Mais à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le garde. Il frappe loin devant. Slimani. Le ballon dans la profondeur. Ça sent la frappe. Oh, la frappe! Oh, c'est dommage. Quelle occasion! C'est le ballon en profondeur qui fait la différence. Un superbe toucher de balle. Traoré. Sur la gauche. C'est imprécis, là, dommage.
tapis trois pas. Traoré. Oh, l'intervention magnifique. Oh, mais quelle parade. Ou arrêt en deux temps du gardien. Le cadre se dérobe largement. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. En général, ça lui réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. Slimani. Il a trébuché sur cette intervention. Dans la profondeur. Bonne interception. Il y avait danger. Il préfère jouer avec son gardien. Le gardien loin devant. Profondeur. Puis trois pas. Oh, attention. Oui, il peut frapper là. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. On y est, le compteur est débloqué. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il faut pas arrêter là-dessus. Faut chercher à faire le break. Ça joue long. Il est bien placé. Ben Taleb qui a mis son pied en opposition. Abeid qui cherche une solution. L'ouverture lumineuse. C'est reparti, ils peuvent contrer. La longue passe. Ça n'a pas pu aller plus loin. Long ballon dans le sens du jeu. Dabo. Pour Traoré. Bien, la profondeur. C'est bien donné. Il est... La frappe, attention! Ils ont trouvé le bon rythme là. Quelle efficacité! Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Quelle puissance chez ce joueur. Pourtant, la défense a fait tout ce qu'elle a pu. Il est inarrêtable. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Ils sont dans un gros temps fort. Attention, ça pourrait faire très très mal. Il est sorti du jeu. Puis trois pas. C'est joué dans l'espace. Il joue sur sa gauche. La passe dans la profondeur. Énorme occasion. Oh, quel bel arrêt. Quelle classe. C'était un arrêt extraordinaire. Premier corner dans cette rencontre. Quelle détente! Il manquait pas grand chose là! Eh ben dis donc, c'était chaud! C'est récupéré. Bien tenté. Il peut frapper. Il peut frapper. Au nouvel essai. Il est là pour dégager.
restera là pour cette première période. Je trouve que le score reflète finalement bien la physionomie du match. Et si les joueurs parviennent à mettre la même énergie en seconde période, on a du mal à voir comment la victoire pourrait leur échapper. Deux buts d'avance, ils mènent pour l'instant 2-0. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Ça joue long vers l'avant. Et ce ballon vers ses attaquants. Et le ballon est dégagé. C'est dégagé. Il s'est attaqué, ça on savait, mais il sait aussi défendre. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout, on dirait. Et il cède sous la pression. Oh, le contre, l'arme fatale. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Attal. Oh, la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Puis trois pas. C'est joué long. C'est bien donné. Traoré, le ballon dans la profondeur. Il est passé. Il tire. Aucun danger pour le gardien. Oh, il faut le garder à l'œil celui-là. Vous avez vu comme il a transpercé la défense et sa frappe manquait de conviction. Et c'est récupéré encore une fois. Dans la profondeur. Va-t-il en profiter? Il est tout seul. Traoré. Nouveau but dans ce match. 3 buts d'avance, l'affaire semble être pliée maintenant. Quel raid solitaire. Peut-être une suppression. Il aurait peut-être pu tirer de plus loin, mais il a dû se dire tant qu'à faire. Autant se rapprocher, c'est vrai. C'est plus facile de marquer de près. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Ça part de l'autre côté. Il ne lâche rien, même loin de leur but. Un long ballon. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça peut partir en contre. Traoré. Je pense qu'il a fait tout ce qu'il fallait, mais quand le gardien fait une telle parade... Allez, c'est dangereux. Oh, quelle parade. Quelle intervention! Oh, franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là! Il en a marqué des beaucoup plus difficiles! Quel mauvais choix! Et bien sûr, s'appliquer l'importance du coup de pied arrêté. C'est dégagé, loin devant! La frappe! Oh, ça aurait pu être le quatrième but! Voilà, mais c'est précipité tout ça, il doit au moins prendre l'information pour savoir s'il n'a pas mieux à faire. Il a frappé vraiment trop vite. Il joue long. Slimani. Voici Feghouli. Voici Mahrez. Il peut y aller. Le gardien n'a même pas eu à intervenir. La contre-attaque était pourtant parfaitement menée. Ils auraient même été mieux, c'est dommage. L'Algérie qui procède à un autre changement. Boudebouz entre en jeu. Il peut faire la différence avec sa qualité de passe.
stopper une attaque adverse. Il choisit la profondeur. Voilà un marquage très agressif. Bon, il a déjà montré de quoi il était capable. Alors là, il se méfie. Vous frappez là ! Ben Taleb. Slimani. Attal. S'il le trouve, la profondeur, bien vu. Ce contre peut très bien aller au bout. Le bon dribble. Tente sa chance. Il rate le cadre. C'est vraiment une équipe qui excelle en contre. Et la défense ferait bien de s'en souvenir. Bien, la profondeur. Ça, c'est une interception parfaite. Un long ballon vers l'avant. On dirait qu'il se méfie de la vitesse des attaques. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. Fegouli. Il s'échappe le long de la ligne. Il déclenche son centre. Pas mal ce tacle. C'est joué dans la profondeur. Oh, le tacle! C'est joué long, attention. Il est passé. Et ça peut aller au bout. Difficile, il prend sa chance. Superbe intervention. Il s'impose physiquement dans ce duel. Ça joue long. Ça pourrait être dangereux. Bayala. Il allonge le jeu. Il est tout seul. Le bon jaillissement. Ça peut être extrêmement dangereux. Slimani. Boudebouze. Il y va tout seul. Il a un peu de liberté. La longue passe. Oh, le bon ballon! Il n'est pas hors jeu. Le tacle. Ça peut faire mal. Ça fait but. Les joueurs en feu, des fans en délire. Il marche sur l'eau. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au but, il y a but. C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. Et l'arbitre siffle à la fin du match. Ils ont totalement dominé la situation aujourd'hui. Et pendant de longues périodes dans cette rencontre, c'est normal qu'ils aient gagné à l'arrivée.
Alors dites-moi, dites-nous Darren, ce que vous avez pensé de ce match. C'est une équipe qui possède d'excellents joueurs dans l'axe. Et comme souvent, c'est eux qui ont fait la différence. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Darren et au revoir à tous. Mais c'est moi qui vous remercie.